tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler basket. Comme n'importe qui, quand j'ai une basket et que je mets un peu d'argent dedans, j'ai envie qu'elle soit propre, j'ai envie de les entretenir, j'ai envie de les garder. Et le problème c'est que quand le fabricant de chaussures, exemple Adidas, te dit ne pas les passer en machine mais qu'il te dit absolument pas ensuite comment les conserver, comment les nettoyer, t'es là genre comme une con, genre... Ok, je fais comment? Donc du coup, aujourd'hui, on va prendre nos petites Adidas, qui sont là des Adidas Gazelle en suédine, dans une couleur plutôt claire, comme tu vois, donc extrêmement chiante à entretenir et à prendre soin. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto, si vous êtes dans le même cas que moi, pour pouvoir les nettoyer. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est ceci, c'est une brosse à dents. Ça va vous permettre en fait d'enlever toute la grosse crasse, toute la terre par exemple trop sèche, etc. Donc la brosse à dents, c'est tip top. Sinon vous avez des brosses vraiment spécifiques en magasin de chaussures, mais une brosse à dents, ça fera vraiment très très bien l'affaire. Par contre, c'est très important de faire toujours le geste dans le même sens, parce que sinon vous allez vraiment abîmer le tissu. Donc comme ça, vous nettoyez sans vraiment abîmer la matière. Après ce premier travail, vous pouvez utiliser une gomme. Là, on va vraiment encore plus aller enlever la crasse qui est vraiment plus incrustée, vraiment les traces un peu de noir, etc. Donc la gomme, vous pouvez la trouver vraiment dans n'importe quel magasin de chaussures. C'est hyper simple à trouver et ça coûte pas très cher. Ensuite, pour l'opération qui va venir, je vous conseille de remplir vos chaussures avec du journal afin de pas trop les déformer pendant la partie vraiment nettoyage. Tac. Donc on va mettre bien ça au fond. Ensuite, pour continuer notre processus, on va utiliser un petit récipient dans lequel on va mettre 2 tiers d'eau tiède, 1 tiers de vinaigre blanc et une petite goutte de lessive. Ensuite, avec la brosse à dents, on vient remuer le tout. Donc vous voyez, il vous faut vraiment des toutes petites quantités parce que là, on va juste faire une paire de chaussures, donc vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de choses. Voilà, ensuite donc on essaye de bien imprégner la brosse à dents. On vient prendre notre chaussure et là, même chose, toujours dans le même sens, on va venir nettoyer donc les taches. Quand même en frottant assez fort. Ok, maintenant que toute la chaussure est à peu près nettoyée avec le produit, on va laisser agir 5 à 10 minutes. Ok, maintenant qu'on a nettoyé donc avec la brosse à dents et les produits, on peut prendre un petit chiffon bien humide et repasser un petit coup. Comme ça, ça va vraiment faire un peu le processus de nettoyage, on va dire. Comme si on venait rincer la chaussure. Ok, et maintenant vous pouvez les laisser sécher. Ok, maintenant qu'elles sont sèches, on peut retirer le journal. Ensuite, pour être fraîche des chaussures, on va utiliser ce petit spray. Et ensuite, on utilise l'imperméabilisant pour préserver les chaussures de la pluie, etc. Donc à peu près 20 cm comme ceci.